Salut à tous, c'est Bout13, on est reparti dans Satisfactory, on était sur notre usine de rotor, on était sur la dernière ligne droite où on devait ramener tout aux assembleuses. Donc ce qu'on avait dit, c'est côté foreuse, on a 100. C'est ça, hein, de mémoire. Hop là. De mémoire, côté foreuse, on a 100, c'est là où il y a le plus. Toi tu pars là, tu re-rentres. Non, toi tu rentres ici. Et là, logiquement c'est ça. Mais de toute façon, on renvoie. Attendez, qu'est-ce que je fais dans les stocks ici? Ouais, on renvoie là, ici, et on renvoie. Ok. On renvoie tout là-haut. Donc ça, c'est bon. Alors, ça veut dire sortie, arrivée. Ouais, on va être chocolat par rapport à ça. On va être chocolat par rapport à ça. Est-ce que si toi, je te demande de décaler un peu plus... Parce que là, en fait, c'est comme si... on va se dire... Ça, c'est les entrées, donc. Et ça, c'est les sorties. Ok. Donc, entrée, on va aller déjà les positionner à l'envers. Pour ne pas nous prendre la tête sur ces différentes sorties. Ok. Donc là. Rappelons-nous. Malheureusement. Oh, quoique, on devrait pouvoir regrouper. Si on fait... Alors, notre premier groupeur, ici, avec l'envoi, c'est sur ça. Ouais, on est toujours obligé de le faire en bas. Voilà notre premier groupeur avec du MK1 ici, du MK1 là, pareil pour cela. Après, elle, je pourrais la faire venir simplement là. Et peut-être dire que l'autre... On va voir. Parce que ça... Si... Alors, toi, on t'ôte. Toi, on t'ôte. Et de toute façon, ça fait 100. Donc, MK2. MK2. Comme ça. Là, le problème c'est que ça va partir de l'autre côté. Donc ça, c'est pas terrible. On se dit un séparateur ici. Et l'arrivée sera derrière. Ouais. Avec un petit peu de décalage. Si je mets du MK2 là. Et que... Ouais, donc ça pose problème. Ça pose problème, il faudrait que j'avance encore un tout petit peu. Après, je peux l'avancer. Pourquoi pas? Sauf que non, ça passera pas. Donc si on dit on balance là, ici, ça sera sur le premier 1 et le deuxième là-bas. Ça nous posera moins de problèmes. On va les faire comme ça. On va essayer comme ça, en tout cas. Toi, tu pars là-bas. Ouais, on va faire comme ça. Séparateur. On va vous mettre
Hop, 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 hop. La sécurité avant tout dans une usine. Et là, malheureusement, la sécurité, elle n'y est pas. J'ai mis que ici. Ok. Alors, toi, faisons attention quand même. Donc là. Comme ça. Ok, alors, on a dit MK1, tu viens chercher ça là. Le MK2 qui est ici va propulser là. On va. Voilà, après, on va manger sur la. Après, on peut pousser un petit peu, c'est pas trop non plus trop contraignant. Tac. Oui. Ça mangera un petit peu, j'aurais pu. Et si je le mets dans l'autre sens, ça va gêner aussi. Je vais le voir. Si je dis toi, tu viens comme ça, et toi. Ah, quoi que. Beaucoup plus peut-être plausible comme ça. Comme ça, toi, on est bon. Et toi, alors toi, on t'ôte. Alors, ici. Le MK1. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus aligné, beaucoup plus éloigné. Il était beaucoup plus éloigné, donc voilà. Beaucoup plus propre. Toi, tu rentres là-dedans et ensuite tu vas alimenter. Mais en fait, on n'a pas besoin. Donc, ouais, et le MK1 va alimenter le suivant qui lui va faire ça. MK1. Ok, toi c'est pareil pour ici. Ton petit MK1 va venir là. Ok. Et puis je pense qu'il n'y a pas intérêt d'avoir ça. Ouais. Donc là, on a alimenté la partie vis. Ensuite, la partie tige de fer. Alors, déjà, en fait, on va être obligé donc de nous mettre toi. C'est du MK1 que je veux. MK1, pardon. Toi, oui. Qu'on est obligé pour toi. Le. Donc. Il va falloir faire passer quelque chose au-dessus et l'autre en dessous. C'est pas trop problématique dans le fond. Toi. Voilà. Aligne-toi avec ça. Toi. T'auras pas assez de recul. Donc, toi ici. Et toi. Voilà. Les tiges, on est à 80. Alors, les tiges 80, ça veut dire. Alors, je dis ça moi, mais ça se trouve, ça va quand même gêner.
Les tiges à 80, ça veut dire que si je mets un bloc là, ici, ça va nous embêter. On va ôter ça. On verra si lequel a besoin. Ouais. On va ôter ça et on verra après. Le MK1 ici. Voilà. Et l'autre MK1 là. Alors, non, parce que tu vas pas apprécier d'être si près. Donc, ce sera forcément un peu décalé. Notre séparateur qui va bien, il est trop près. J'ai tendance à dire, j'aurais tendance à dire qu'il doit passer comme ça. MK2. Voilà. MK2. Voilà. Toi, MK1. Ouais. L'autre, MK1. Ensuite, c'est toi qui vas monter pour un autre séparateur qui sera aligné à toi, même si tu dois être au centre. Voilà. Là. Donc MK1, toi t'acceptes ça, toi t'acceptes ça. Voilà. Et le MK. Alors, quoique, ça n'a plus besoin du MK2, mais ça va mettre du temps. 80 divisé par 3. Ouais. 26, 6. Ça stackera au fur et à mesure. On va, il est où? On va en mettre un là. Et en alignement, un ici. Très bien, toi. Est-ce que... Ouais, je pense que je peux en mettre... Il faudrait que j'en mette un plus près. Donc ici. Et toi ici. Donc ça veut dire que toi, MK1, tu rentres, tu vas au suivant, et du suivant, voilà, toi MK1 aussi, tu rentres, tu vas là, non, reste propre, là, et tu sors là. Et ben voilà. Tout est bon. Tout est bon. Ça a l'air d'être pas trop mal. On va... Bon, maintenant, ben, les amis, je pense qu'on va s'amuser à tester. On va, premièrement, mettre un pylône là. C'est simplement pas d'esthétique. C'est ce qu'on se dit. Premier abord, on va simplement tester la fonctionnalité. Toi, on va te mettre là en attendant. Alors, toi, par contre, si j'ai besoin que tu fasses ça, là, t'es pareil. On va. Oh! Voilà, toi. Et voilà. Le petit 2, toi, c'est pareil, tu viens ici. On va les faire deux par deux. 1, 2. Ensuite, là. 2. Ça va être bon. La seule chose que j'ai oublié, bien sûr, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait dans ces usines. En attendant, au même temps, plutôt, on va faire ça pour là-haut. Et puis, si je mets pas tous les trucs qu'il faut, il va manquer aussi des paquets de choses là. MK1. Donc, ça c'est, on a dit, hop là, sortie, sortie.
sortie. On est bon sur la sortie. Alors attendez, non, je vous dis une bêtise, en fait je me suis planté, si je mets retard, il faut 100 de vis, donc je me suis planté sur E. C'est pas du MK1, mais du MK2. Zut. Où est-ce qu'il est le MK2? Et puis même ça, c'est pas du MK. C'est du MK3. Pourquoi je l'ai ôté en fait? Parce que je peux le faire simplement en remplaçant. C'est du MK2. Donc ça, c'est du MK2. Je vais avoir manqué du MK3. Ouais, ok. Bon, on va aller chercher ce matos-là. Donc en attendant, avant de partir pour rien, on va s'occuper. Alors on a dit l'extérieur ici. MK2 extérieur. MK2 intérieur. MK1. Voilà. Intérieur, on est bon. MK1. Et ici, MK2. Ok. Cher ami, rotor, on va copier le paramètre. Je ne l'ai pas copié. Copier le paramètre. Ah non, j'ai dû le coller. Ok, on va le mettre aussi par défaut. Voilà. On va s'occuper de l'électricité. Ici, on avait dit c'était de la vis. C'est bien ça. Donc, de la vis pour toi. Pour toi. Pour toi aussi. Là. Ok, la vis est faite. Occupons-nous de ça aussi. On va descendre d'un bloc. Hop, on va les mettre par deux. Pour moi, tout ça, c'est de la tige de fer. Voilà. Bon, temporairement, voilà, je vous dis, on va mettre ça. Relié, ouais. On va mettre ça devant. Ça, il faut que je le remonte aussi. Hop. Yop. On est bon. Ok. Ça, c'est les autres tiges. Donc, les autres tiges qui doivent être à 80. Ça doit être ça. Et donc, c'est du MK2. Allez, MK2, on va le mettre comme ça, dans ce sens-là, ça ira très bien. Et on l'a dit, des tiges pour vous. Voilà, c'est pas mal cette petite fonctionnalité de copier-coller. Ça évite d'à chaque fois d'ouvrir l'interface. Ça marche bien. Ok. Toi. Alors, par contre, on est d'accord que tout est bien relié. Hein. Ouais, ok. Toi, hop là, les dernières, la petite fonderie. Les fonderies, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Ouais. Pas tant que ça de fonderie. Tac. Tac. Toi, c'est pareil. C'est pareil. Rien de plus. On va les lingots copier ce paramètre. Et on y va pour nos différentes machines.
Et la petite dernière. Ok. Ensuite, on a dit, toi, on va te mettre... Ouais, on va te mettre là, on va te relier. Qu'est-ce que ça fait si je regarde 184, le max de consommation. On va aller, on va mettre un poteau ici, on va casser le fil et on va ramener tout ça. En même temps, on va aller chercher le matos et on sera bon. Où est-ce qu'on a notre premier fil? En fait, il est aussi loin... On va le reprendre vers là-bas. Oh, on va pas me faire croire que j'ai pris des dégâts, là. Voilà. Ok, allez, on est parti. On a besoin de quoi, exactement? Ouais, on a besoin des plaques, on en a. On a besoin de poutres, non, de... Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Les poutres en acier, ça doit être ça. Non, les poutres en acier, c'est avec le béton. Donc ça peut pas être des poutres en acier. Des lingots d'acier. Non, des lingots, ce serait pour l'acier, donc non. C'est pas ça. Ah, je l'ai. Ouais, cool. Purée, ça a déjà stacké, il n'y a déjà plus rien, il n'y a déjà plus de place. Ça s'appelle comment? Poutre en acier, pourtant. Voilà. Bon, allez, go. On va prendre un bon paquet. Très bien, on va trier tout ça. Ça stack ici ou pas? Non. Non, ça arrive au fil de l'eau, donc il n'y a pas de souci. Donc, on est bon. Allez, on est reparti pour fignoler notre usine et la déclencher. Et puis, on verra bien si tout se passe bien. On doit avoir, si on contrôle avant, on contrôlera avant si l'électricité on a assez. Mais on avait fait le nécessaire dans les épisodes précédents. Donc, pour moi, on est bon sur ce secteur-là. Ok, pour toi, on va prendre ça au passage. Allez, petite dune. Hop là! C'est-à-dire qu'on a combien? Ouais, on est large. Capacité 1002, on est qu'à 1000. Ouais, donc on est large. Ça, c'était bon. Donc on doit remonter au dernier étage pour notre ami. Les MK3. Donc c'est ici. Alors, on l'avait dit. Ouf, ça c'est moche. Pourquoi ça a fait comme ça? Si je le repasse en MK2, ouais, si je le repasse en MK3, ok. Il faut du MK2, donc ça c'est bon, si on dit ça c'est bon, donc là il faut du MK3, très bien, toi, MK3, MK2, et toi MK2, et on est bon, on devrait avoir ça aussi en MK2. Et ça aussi en MK2. Si tout se goupille bien, ça veut dire que en dessous ça, on devrait avoir du MK3, parfait, MK2 pour ça, et MK3 pour ça. Ok, on va quand même vérifier pour les tiges de fer si on est bon, et à partir de là... Ben, on pourra lancer. Tige de fer. Donc, on est sur du MK2 et du MK2. Good. Allez, go. On redescend pour vérifier toute cette usine. Contrôle qualité. Le contrôle qualité. Hop, toi. On est bon. Allez, toi, on est bon d'accord que tu fais du 240. Même si on n'en aura besoin que de 180. Toi, t'es bien en MK3. Et toi, t'es bien en MK3.
Allez, petite foreuse. Ok. C'est good pour cette partie-là. Hop, on va prendre l'échelle. On vérifie si tout se passe bien. Ouais. Après, il y aura juste le stack de fin qui n'est pas fait là-bas. Mais on le décalera. Ok. Ouais. Parce que là, en fait, ça descend. On va juste décaler ça. On décalera l'usine aussi qu'il faut. Non. On va décaler l'usine en bas. Ouais, on va ôter ça. Et on va décaler d'un cran. Ok. Ah, tu veux pas? Pourquoi? C'est ça qui gênerait? Le caterium, si ça gêne. Voilà. Ok. Là. Tac. Toi, tu viens là, on va fermer ça, ça aussi, ça aussi. Là, il doit manquer deux. Et là, il en manque deux. Parfait. Alors, allons voir notre ami. Avant de continuer, allons voir ceci. On est sur du 100%, pas de souci à l'horizon. Hop, niveau 2, on a bien. Alors, ça, ça ne monte pas. Ça, ça consomme. Pourquoi? Alors, j'oubliais un truc. Ok, si. En fait, j'ai oublié cette partie-là. Voilà. Donc, ça ira déjà beaucoup mieux. Là, ça tourne bien. Ok. On est où? Hop. Là. Ok, ici, c'est pareil, il en manque un. Ça avait pas l'air de bouger, pas l'air de bouger. Là, c'est bon. On attend que les vis ressortent, les vis... Ah, les vis. Les tiges de fer ressortent bien, là-bas, ça part bien. Ok. Allons voir les usines. Donc, ça bouge bien, pas de souci. Au niveau des usines... On est sur du 100% là. Là, on est à 100%. Ici, on en a même un peu trop, mais pas grave. Pour l'instant, 100%. Ça aussi. Ça aussi. Elle, il y en a trop, certes, mais c'est pas grave. On est sur du bon. Là, c'est bon aussi. Hop là, la petite usine, j'ai l'impression qu'elle tourne bien. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Il y a un truc qui est descendu là? Ah déjà. Ok, les rotors descendent, donc ça a l'air de fonctionner bien là-haut. On va quand même aller vérifier tout ça. Est-ce que ça... En fait, il faudrait voir si c'est lisse hein, déjà. Ouais, on ne peut pas voir si c'est lisse parce qu'il n'y a pas d'électricité. On pourrait le voir, mais il faudrait mettre une batterie, en fait, ici. Ce serait même plus simple. Il faut des cadres et des stators, donc ça sert à rien. Vous. Ah, on manque de tiges. Ça manque de tiges. Ici, on est toujours à 43, c'est pareil. Alors, les tigeottes arrivent, certes, mais au compte-gouttes. Que je trouve normal, probable. Les tiges arrivent ici. Donc c'est ce qu'on avait vu, une partie arrive là,
Est-ce qu'on l'avait vu? Alors, est-ce que... Logiquement, on s'est pas trompé, mais... Peut-être que... Alors, faudrait faire attention au déplacement de tout ça. On va rechecker les points d'arrivée et les points de sortie. Ici, on est sur du MK3. Pourquoi? Pourquoi déjà on est sur du MK3? Ça tourne un peu partout en fait. Alors, on va se remettre un peu tranquillement à la rappe. Alors, montre-moi. Toi, tu sors... T'en sors 40. Donc, forcément, t'en sors 40. 40, 80, ça fait 120. 120, c'est du MK2. C'est bien ce qu'on a vu. C'est du MK2. Ensuite, on rajoute 40. Et là, donc forcément, ça, c'est du MK3. C'est ce qu'on a vu. Logiquement, c'est du MK3. MK3... Ça arrive là-bas, et ça s'en va. Et ça revient. Toi, c'est normal, on est ici, sur du 40. On rentre là-dedans. Mais, je suppose que ça, MK2. 80, si, MK2, excusez-moi. Et ensuite, on regroupe avec ça, et donc MK3. Voilà. C'est ça que j'avais pas... J'avais zappé. Déjà être un petit peu plus fluide. On va être fluide sur plutôt l'envoi des vis. Par contre, on aura toujours potentiellement un problème sur l'envoi des tiges de fer. Voilà, on va essayer de retourner comme on peut de l'autre côté. On va vérifier tout ça. Là. Alors. De toute façon, les deux... Alors déjà les deux devraient être en MK en MK2. Ouais, les deux devraient être en MK2. Les deux devraient être en MK2. Pourtant c'est du MK2 ici, on est d'accord hein. Ouais, ça c'est du MK2 et ça c'est du MK1, mais on s'en fout. Et l'autre qui passe, il est où? On devait en avoir un autre qui transiter simplement. Je ne sais plus où il est. Il est là. Et donc ça, MK2, MK2, MK2. Donc j'en ai oublié un. En bas, le MK2 qu'il fallait. Hop là. Donc, MK2 pour toi. Déjà, ça ira beaucoup mieux. Plus à flux tendu. Donc là on avait dit que c'était ok pour cette partie là et quand on remonte ici, messieurs les vis, alors toi tu fais déjà plus rien et toi t'es pareil, mais le MK2 va arriver. Donc lui il a l'air de remonter à flux tendu. Ok. Toi c'est pareil, t'as l'air de remonter parfaitement au bon flux. Toi, c'était les deux derniers. Ah, on est presque. Ouais. Ah, il y a un décalage de quelques secondes. Même de centièmes de seconde, j'aurais dit. Ouais. Alors, ok, donc toi... Toi c'est pareil. Toi il y en a trop. En fait c'est quand ça se sera rempli quasiment, je pense que ça se lissera sur l'autre côté. Parce qu'en fait ils en ont trop certes. Mais c'est pas grave. En fait en gros voilà. Donc ça va se lisser au fil de l'eau. J'ai tendance à vous dire que ça va être bon, ça va se lisser au fil de l'eau. Pour l'instant, on est bon. Les vis, ça arrive
au compte-goutte. Et les rotors, elles, bah, elles ne peuvent pas être fabriquées parce que on n'a pas notre petit truc en bas pour les stocker. T'es où? Tac. Tac. Allez hop, tac. Tac, toi. Ouais, on va te faire ici. On va fermer aussi là. On va utiliser... Est-ce qu'on... Ouais, de toute façon, on peut pas utiliser 36 000. De... Ça va être trop grand si j'utilise ça. Voilà. Ouais, on pourra pas le faire passer sinon. Ouais, mais alors, vous savez quoi? Ça. Alors après, on pourrait s'amuser à faire un stock infini quasiment, mais on va le faire. On va faire ça comme ça. Parce qu'on a de la place, hein, autant en profiter. Sinon, ce sera quelque chose qui va pas être utilisé. Donc, comment on va faire? Comment on va s'organiser ça? Si je mets un conteneur comme ça, il va pouvoir être pris en haut. On est d'accord? Voilà. Est-ce que... Ma question, c'est est-ce qu'il touche en haut? Ouais, ok, donc ça c'est mort. Ça c'est mort. On va... Alors donc toi on peut pas te faire comme ça. Et on peut pas le faire comme ça. Si, mais il faut de l'espace. J'aurais tendance à vous dire qu'il vous faut... Il faut tout ça d'espace. Eh ben, on va regarder tout de suite. Toi. Pardon. Hop, toi, tu viens ici. Toi. Fais voir. Ouais, donc là, ça passe. Ensuite. Un petit truc. Alors, MK1, est-ce que toi... Voilà, tu viens là-dedans. Ensuite, toi, tu vas repasser de l'autre côté. Si tu repasses de l'autre côté, il serait bien de le faire arriver ici aussi. Positionnés. En gros, ils sont positionnés quasiment au centre de ça. Voilà. Alors, toi. Mais non, c'est même encore un décalage. Étonnant que ça fasse ça. Ouais, ils sont encore plus décalés. C'est fou ça. J'ai l'impression de galérer à le mettre celui-là. Voilà. Alors, on avait dit ici ça. C'est étonnant parce que... On n'est pas sur le même... Ok. On n'est pas sur le même. C'est marrant. On va essayer autrement. On va essayer... Donc, de mettre ça aligné à ça. On va essayer de mettre ça... Ok, là. Ça. C'est plutôt ça à ça. Ok.
toi, on va inverser. Voilà. Donne-moi ça. Toi, tu prends ça. C'est pour ça que ça faisait ça. Ok. Toi, tu sers plus à rien. Et non, on avait bien dit, c'était bien ça. Ils sont un peu plus décalés d'un cran, donc c'est pas ça. Ils sont un peu plus décalés, mais vraiment d'un cran. Comme ça. Donc toi, on va juste s'amuser à faire un inversé. Voilà. Toi, tu vas t'amuser à faire ça. Toi, tu vas faire ça. Alors, non. Ok, mais toi... Mais toi, ça va être problématique. Toi, excuse-moi, il faudrait pas non plus. Voilà, continue. Toi, tu vas t'occuper. On va essayer de le mettre vraiment juste à côté. Comme ça, toi, tu vas être trop près. Et de toute façon, j'aurais tendance à te dire, il faut que tu sois là, en alignement avec l'autre. Donc ce serait comme ça, toi comme ça, voilà. Toi comme ça. Toi, on saute, toi, on t'inverse, voilà, et toi, on avait du MK1, hop, ici, toi, du MK1 aussi, ici, et toi, du MK1, qui est moche, parce qu'on ne peut pas le faire tourner. Si je le fais monter. Zut, j'ai pas. Hop là, je suis pas en face. J'aurais pu en fait un petit peu le décaler, mais non, je peux pas. Là, ça remplit au fur et à mesure ici, ça remplit ici. Ok. En fait, c'est celui-ci qui devrait être. Pourra pas plus pousser parce qu'on pourra pas faire mieux. Hein. Mais il faut y arriver. Donc si je fais ça. C'est moche. C'est moche. Comment je fais pour le mettre dedans là? Si je le fais monter là, faire partir là, faire venir là et décaler là. Si je le fais monter, il faut en gros une plaque assez restreinte, donc ici, toi, zut, hop là, toi on s'est trompé, t'as pas besoin de descendre, c'est toi, non, c'est toi, là, toi, mais bon,
Mais ça touche, donc je suis pas trop fan. Quoique. Ouais, mais non. C'est pas mal, mais comme on dit, c'est pas grave non plus. On va mettre ça à l'intérieur. Que ça se trouve, on pourra après mettre ici un broyeur qui servirait pas. Donc autant essayer de le faire comme ça. Ok, on va sortir de là. On va sortir de là, on va fermer là. On va soit faire 1, 2, ok, toi tu descends, toi tu descends aussi. Là on est bon, on va mettre notre petite fondation. Comme ça, notre petit nuancier. Oui, mais déjà de toute façon, il a déjà le nuancier. De toute façon, aussi, faisons le nécessaire pour. Non, c'était pas ça, c'est un mur de 4 mètres. On va mettre. C'est un mur, voilà. Toi, on te récupère et on te colle ici. Toi, on te récupère. Et on colle ici. Voilà. Et après, la sortie de l'usine sera là. Hop, je peux pas. J'ai pas assez de. On va récupérer ce catérium si c'en est. Ah, c'est du soufre. De loin, on a réduit du catérium. Allons voir maintenant le dernier étage. Donc ici, on peut fermer. On ira faire. L'amélioration, l'esthétique plus tard. Donc ici c'est bon. C'est la coupille. Là on a l'air d'être bon aussi. Là-haut, faites voir. Donc là on est sur des tiges. Hein. Ah non, on est sur des vis. Donc c'est. Ah, il y a encore celle-ci, quelques-unes qui plantent. Mais je vous dis, ça, c'est tant que les autres au fond n'ont pas. Ouais, vous voyez, n'ont pas le stack à 100%. Parce que tant qu'ils ont pas ça, en fait, ça doit déplacer pas assez vite. Et ici, on est sur du 91%. En fait, ça monte hein, tout le temps, là, logiquement. Ça monte tout le temps, logiquement. Ah, là aussi. 81%, lui, galère ici. Là, tu dois être 96, et là, c'est derrière. Passe au repos. Là, si on regarde, 25, on doit arriver à 50 avant l'arrivée du truc, donc on est bien à 50. Mais là, est-ce qu'on sera à 50 au prochain coup? J'ai un doute. Ouais, ça va. Ouais, quoique, on pourrait être bon. Mais ça va être encore au prochain coup, on va galérer, on sera pas à 50. On y perd peut-être à chaque fois. Ouais, mais non, là, ça a l'air d'être bon. Hein. Celle-ci, 82, on galère un peu, mais comme je vous ai dit, c'est la dernière fois, c'était par rapport à ça. Et on en voit bien les différents trucs. Ouais, voyez, on stack sur ça, sur ces 80.
Et on stack partout. Hein. Quoique, on stack pas ici. On a 80 tiges, donc là, ok, de toute façon, on peut pas aller plus vite. C'est 40 et 40. On a 80, donc on divise, ouais, il en faut beaucoup plus, en fait, ici, ouais, mais donc ça, c'est bon. Bon, ben, c'est parfait, ça. C'est parfait. Et au niveau électricité, on a dit qu'on était bon. Bon, ben, les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo si ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires si vous voulez que je repasse sur quelque chose ou quoi que ce soit, ce qui vous intéresse, m'intéresse aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine. On essaiera de faire autre chose la prochaine fois et on va voir quelle usine on commencera ou qu'est-ce qu'on fera exactement. D'accord? Allez, à plus. Ciao.